comment allez-vous? Moi, c'est vraiment super bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc, l'épisode numéro 5 de notre série PVP Swap. Donc, j'espère que ça vous fait plaisir de voir une vidéo PVP Swap aujourd'hui. Donc voilà, en tout cas moi ça va vraiment super bien avec le petit skin de Noël, vous voyez. Je sais pas du tout quand est-ce que cette vidéo sortira pour vous. En tout cas je la tourne le 16 décembre, voilà, pour me donner un petit temps d'idée, pour donner un ordre d'idée également. Donc on va faire une game sur la partie, on va aller sur la map PVP Swap, donc sur Skyland. Oula, mais ça lag vraiment, donc je vais régler ces petits problèmes de lag. En tout cas, avant de commencer la vidéo, je vous incite vraiment à lâcher un petit like, ça me ferait vraiment super plaisir pour cette nouvelle épisode, ce nouvel épisode, j'arrive plus à parler français. N'hésitez pas à lâcher un petit commentaire également, je vais lancer la question of the day qui va être vraiment assez banale. Mais en tout cas, il fallait que je vous la pose. Donc, je pense qu'elle va sortir près du nouvel an. Donc, la question est la suivante, c'est quelles sont vos résolutions, de toute façon, pour 2016? Donc voilà, si vous avez quelconque résolution pour 2016, dites-le-moi, que ce soit des résolutions un peu loufoques, n'importe lesquelles. Si vous avez quelques idées, donnez-les-moi et tout, question qu'on se marre un petit peu dans l'espace des commentaires. N'hésitez pas à partager la vidéo à tous vos amis, à tous vos potes, à vos cousins, à votre famille. Je sais pas, c'est à vous d'être original sur ce point-là. Et sur ce, on va se retrouver sur la partie. Je vous fais une petite ellipse, on se retrouve à tout de suite. Allez, à tout de suite. Et voilà, c'est bon, on est une game, ça commence dans 30 secondes. Donc j'espère que la partie va être plutôt fructueuse. En tout cas, il y a des gros lags. Des gros lags, j'avais des problèmes de PC, mais en fait c'est simplement que j'étais en 32 chunks, c'est pour ça que ça buguait un peu au niveau de l'intro. Donc excusez-moi si ça laguait de ouf, mais là ça ne va plus laguer vu qu'on est en 60 FPS, ce qui est plutôt extrêmement correct. En tout cas, on va essayer de choper les coffres du middle comme d'habitude, hein. On connaît vraiment par cœur cette map, maintenant vous la connaissez vraiment au top si vous jouez tout le temps avec moi, enfin si vous regardez tout le temps mes vidéos. En tout cas, j'adore cette map, comme d'habitude, je l'aime toujours et on a un petit P3 qui fait très le plaisir. On va essayer de choper les autres coffres et puis je pense qu'on va être vachement bien. Ah, ça fait vraiment plaisir de rejouer sans lag, j'avais vraiment un sérieux problème alors que ça venait simplement que d'une... Oh, je pense qu'il a déjà pris. Ouais, il a déjà pris. On va essayer de choper les autres coffres, ça venait simplement, je pense, d'un petit problème dans le jeu, tout simplement. Je pensais que c'était vraiment mon PC qui avait pris cher avec une connerie ou je sais pas quoi, là. Mais en tout cas, ça va. Donc voilà, j'ai la pêche. En plus, comme vous l'avez vu, je pense que la vidéo doit être beaucoup plus agréable à regarder de votre côté, puisque j'ai réduit considérablement le FPS, le FOV, pardon. On est passé à 96. J'étais en Quake Pro, donc voilà, il y a quelques petits changements qui ont été impliqués dans la modification. En gros, là, vous avez ça. Si je mets en Quake Pro, vous êtes comme ça, donc c'est pas très agréable à regarder. Donc, je préfère passer en 96. Je pense, il me semble que c'est un des meilleurs FOV entre 90 et 100. C'est un très bon FOV pour les vidéos, etc. Normalement, je préfère jouer en Quake Pro, mais bien sûr, c'est pas très agréable. Enfin, je regardais, ça donnait un peu la nausée, limite. Enfin, quand même pas, mais bon, voilà. C'était pas très agréable à regarder, donc c'est pour ça que j'ai quand même réduit la FOV. On va voir si on peut mettre ça. Non, c'est bon. Parfait, on a une petite sharpness 2 avec des très bonnes protections. Ah, on n'a pas de... On n'a pas grand-chose. Ah, si. On a pas beaucoup de potions, malgré ça, mais on va essayer de choper quelques trucs plutôt très intéressants. On a une pomme d'or. Ça pourrait sauver la mise, on sait jamais. Donc, on va attendre que le swap continue. Et puis, en tout cas, moi, je suis plutôt contente de vous retrouver dans une petite vidéo, parce que j'avais énormément de taf et tout. Maintenant, là, j'ai retrouvé un bon rythme de vidéo. Donc, normalement, je sais pas trop quand est-ce que les vidéos ressortiront et tout. Mais en tout cas c'est bon, c'est officiel. Là, j'ai plus trop de trucs. Bon, pendant les vacances, je vais avoir quand même pas mal de choses à faire. Mais ça va rester plutôt bien. Donc lui, on va se le faire. Si il veut bien, voilà, nickel. On va pas essayer de se faire... On va essayer de pas se faire ramasse miettes. Il y a un autre mec là-bas. On va utiliser... le chicken, écoutez, c'est plutôt bien. On n'a pas de potion, c'est ça le problème. C'est que je cherche depuis tout à l'heure. Mais on va essayer de se faire les autres mecs. On va attendre de régénérer un petit peu. Et puis écoutez, ça va être plutôt pas mal. On va repartir. Donc ensuite, je voulais vous parler un petit peu de la question of the day. Puisque je vous avais posé quelles sont vos résolutions pour
Tout simplement pour l'année 2016, et ben moi j'ai pas tellement de résolutions, vous savez, parce que j'ai jamais d'idée pour ça. Je sais pas, mettez ça en commentaire si vous aussi vous n'avez jamais d'idée pour ça. On va se le faire, ok, génial. J'espère qu'on va pas se faire ramasse-miettes. On va activer le caméléon. Moi j'ai jamais d'idée pour Noël, je sais jamais. Enfin, pour Noël, si les idées pour Noël ça va. Mais j'ai jamais d'idée pour les résolutions. Je sais pas, je trouve tout le temps des résolutions banales. Du coup, j'ai pris la résolution de ne jamais en prendre. Voilà, c'est simple. C'est un peu le mec humoristique, quoi. Mais genre, tout le monde me dit, ouais, arrête, c'est pas drôle comme ça. C'est plus drôle au bout d'un moment. Mais bon, écoutez, c'est des résolutions. Vous savez, je pense que, comme la plupart des gens, quand on se donne des résolutions, on les tient vraiment à peine que la première ou la deuxième semaine, vous savez, genre résolution, ouais, je vais bien travailler à l'école, je vais essayer d'avoir des bonnes notes et tout, mais vers la fin de l'année, je sais pas si ça reste au rendez-vous, donc en fait, finalement, les résolutions, il faut les prendre pour toute l'année. C'est jamais forcément simple, bien sûr, parce que, bon, voilà, hein, ça peut être des révolutions. Oh là là, je suis trop en histoire, là. Même si je fais même pas ça en histoire, je sais pas pourquoi je parle de révolution. On va essayer de se choper le dernier mec. En tout cas, les mecs n'arrêtent pas. Oh, popo, j'ai failli faire la même gaffe que la dernière vidéo, je sais pas si vous vous rappelez. On va essayer de se choper le mec. Instant. Oh, le mec. Oh là là, comment il joue fourbe. Oh non, en plus ça a swappé. Ok, d'accord, j'ai utilisé cette potion pour rien. C'est dommage, on a vraiment pas de... Oula, c'est le bordel. Attendez, on va vider tout ça. On avait une protection, je viens de le jeter. Bon, moi, on a vidé légèrement tout ça. Malheureusement, on n'a pas de potion. Ça pourrait nous être très fatidique, on va dire. Bon, écoutez, on va voir ce qu'on peut faire. Et puis, voilà. Ok, coucou. Ok, il a bugué. On va essayer... Super, on a un arc. On va essayer de sortir d'ici. On va pas du tout se la jouer comme ça. Ok, bat-attaque, on va faire ça. On va tuer la bat-attaque. J'aimerais simplement... Oh, parfait. Il y a énormément de têtes qu'on a récupérées. Il avait tué pas mal de gens. On va mettre paranoïa, ça sert à rien. Caméléon, on va l'activer. Bamshield également. Écoutez, là, on est vraiment surprotégé. J'aimerais simplement choper le petit casque qui fait plaisir. Et puis, voilà, on est vraiment bien. On est vraiment bien, écoutez. On a une il y a une sharpness 2, là, potion. On va prendre potion de régène. Et puis, on va essayer de se choper le dernier mec, d'abord. Et puis, on va essayer de se mettre, je sais pas, peut-être full fer ou je sais pas quoi. Où est le dernier mec? Je sais pas où tu es, mon gars. Bon, écoutez, je pense qu'on va pas se la jouer. Est-ce qu'il est là? Je sais pas. Il me semblait avoir vu un pseudo pas très loin. Ou alors il a bougé. Ok. On va se faire cuire tout ça. J'espère qu'on va pas se faire avoir par derrière. On va quand même essayer de rester vigilant. Tac. Voilà, parfait. Donc on va faire ça. Ça. Ça et ça, et on va bloquer l'entrée. What? Non, ça vient de swapper. Oh my god, c'est déjà le sale final. Eh ben, on va se choper ça, une potion de poison, ça peut faire vraiment très mal. Une autre potion de régène qu'on va se prendre là, et puis on va mettre là. En plus, à mon avis, ça va être chaud. Hein. Ça va vraiment être chaud. Je sais pas du tout ce que ça va donner, mais ouais, ça va être chaud. On va fusionner les deux sharpness. Ouais, la sharpness qu'on avait là. On va faire ça. Tac, parfait, on a une petite sharpness 3, on va pouvoir se la tenter sur un petit kill. On va boire, non, on va pas boire la potion de régène. On se la claquera dès qu'il y aura un mec. Ah, un mec qui monte sur le toit en plus, bien sûr, mais bien sûr. Non, il monte pas sur le toit, il est juste en haut en fait. Tout simplement, on va essayer de se le prendre par surprise. On est quand même bien, bien protégé, mais j'espère simplement qu'il va pas être trop stuffé. Ok, parfait. Ok, le mec est instant. On va l'instant. Ah, BG, il gère bien. Mais il se prend les gros trucs. Ok, GG. On va essayer de se prendre tous ces petits trucs. Oh, parfait. Mais il est vraiment bien stuffé. J'espère qu'on va pas se faire prendre par derrière. Et oh, ok. Le stuff, il faudrait simplement que je prenne vite.
Merci, s'il vous plaît. Donnez-moi, voilà, protection 3. Et, oui, il n'y avait pas un pantalon en fer. Ok, d'accord. On va se faire vite fait un petit casque qui fait bien plaisir. Et puis, on va se le mettre protection, je sais pas quoi, là. Le premier qu'on a. Ok, protection 2, c'est plutôt bien. C'est plutôt bien. On va essayer de voir. Ok, caméléon, on va l'activer, on sait jamais. Et une autre potion de régène. Ce qui fait très plaisir. Ok, on va essayer de voir ce que où on est. L'autre, on va essayer de gagner cette partie. Ça pourrait être assez intéressant. Étant donné qu'on fait un truc vraiment pour le fun. C'est ma première game de la journée. Ce serait pas mal de gagner. Où est l'autre mec? Où es-tu, sacripant? Je suis sûr, il est en haut. Il est monté? Il a dû monter vers le haut. Ah non, il est en bas. Oh, ah, il doit être... En plus, il bouge pas. Je sais pas s'il y a un truc chelou, là. Je sens le truc mal tourné, quoi. Le mec, s'il faut, il est full fer. Je vais me faire vraiment avoir. Je sais pas où il est où. Mais je vois son pseudo. Ah, son pseudo, il y a 2 secondes. Ok. D'accord, on va essayer de voir comment ça se passe. Oh, il est là, il est là. Il est en sneak. Non, il est en train. On va essayer de... En fait, j'ai pas envie de monter parce que j'ai absolument pas de knockback. Donc, si le mec me knockback, on va se faire avoir. Ok, il est là. Il est là. Je pense pas qu'il... Il est pas sur le toit. Mais, écoutez. Potion de régène. Il est juste en bas, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ah, c'est un escalier en révolution, c'est-à-dire qu'on se croise pas, en fait, quand on descend l'escalier. D'accord. D'accord. J'avais pas quitté sur le coup. Ok. Ok. J'anticipais ses coups. Ok, on lui fout quelques flèches. Tac. Ok, il faut le faire avoir. Bon, il est plus qu'à 10 cœurs. Ça va être plutôt easy de l'avoir. Et on va se le faire. Et c'est la petite victoire. Donc vraiment, très belle game. En tout cas, moi, j'ai vraiment kiffé de la faire. C'est ma première game de la journée. Donc, je suis plutôt contente de l'avoir réussi. Écoutez, en tout cas, si cette game vous a plu, si vous trouvez que j'ai fait vraiment une bonne game, n'hésitez pas. Ok, je bug dans du plancher. Ok, d'accord, ça marche. Ok, on va finir la vidéo là-dessus. Donc, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit like comme d'habitude. Comme je l'ai dit au début de la vidéo, n'oubliez pas de commenter pour répondre à la question of the day, qui est quelles sont vos résolutions pour 2016. Donc voilà, si vous avez des idées loufoques, quoi que ce soit, c'est parti à vous en commentaire. En tout cas, n'hésitez pas à partager la vidéo, ça me ferait vraiment super plaisir et ça m'aiderait beaucoup, comme je répète encore et encore. Abonnez-vous si vous likez mon contenu, si vous aimez bien ce que je fais, et ben n'hésitez pas à vous abonner. Si vous arrivez sur la chaîne, et ben bienvenue à vous. Sur ce, moi je vous dis à une très prochaine, les amis, pour de nouvelles vidéos. Allez, bye bye bye, les amis. Bye bye bye. Ok, la nouvelle invention, ce sera ma résolution 2016. Ok, bon allez, ciao les amis. Allez, bye bye.